Chaque année, il existe au Festival de Cannes une journée particulière. Ça tourne. Salut, pour ce jour 5 à Cannes, avec Samuel Reyes, on attend toujours Marine. Marine, on n'a pas de nouvelles de Marine, non ? Ah, Marine, alors, ça va ou quoi ? Ouais, ça va, bah première soirée cannoise. C'est quoi ce pins là ? Ah bah alors ça c'était justement le pins qu'on nous a donné hier pour la soirée organisée par le collectif 50-50 où j'étais, qui avait lieu sur la plage Magnum. 50-50, c'est quoi ? Alors c'est un collectif qui a été créé suite à l'affaire Weinstein et qui œuvre en fait pour plus d'égalité homme-femme dans le monde du cinéma. Parce que bon, comme on le sait, que ce soit les disparités salariales, les problèmes de harcèlement, l'égalité est quand même très loin d'être atteinte et encore plein de choses à faire. T'es pas allé au cinéma, non ? Si, j'étais au cinéma. Okay. J'ai vu un long métrage d'animation qui s'appelle J'ai perdu mon corps, qui était présenté dans le cadre de la semaine de la critique. Qu'est-ce que tu en as fait du coup ? Non ? Moi j'ai perdu mon cerveau par contre, donc ça c'est fait, ça c'est sûr. C'est l'histoire d'une main en fait, d'une main coupée qui cherche à retrouver son propriétaire et qui va traverser la ville de Paris dans les années 90. C'est extrêmement sensible, c'est extrêmement inventif, il y a un super travail sur le son. Ça va Jacques ? Ça va et toi ? Je crois que hier tu as vu le dernier Bonello ? Ouais, j'ai vu Zombie Child, qui est un film très très étrange. Alors Bertrand Bonello, c'est le réalisateur de Saint-Laurent, de La Polonie, de Nocturama, c'est toujours assez bizarre. Mais disons que là, c'est encore plus bizarre parce que c'est un film de zombies, mais pas les zombies de la pop culture, pas les zombies de Jarmusch. Là, il a fait un film un peu âpre, dans lequel je ne suis pas complètement rentré. Bon, j'en ai parlé avec d'autres critiques. Il y a des gens qui adorent, qui trouvent que c'est un film expérimental hyper puissant. D'autres qui sont moins rentrés, disons que je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. J'ai un coup de cœur, c'est Papy de chat de Mounia Medour. C'est un film algérien, c'est une nana, elle fait des robes, elle dessine et elle fait des robes pour ses copines et elle veut organiser un défilé de mode. Sauf qu'on est en Algérie dans les années 90, que c'est la guerre civile et que les islamistes, ils veulent que les femmes, elles portent le voile intégral et ils sont prêts à se défendre, à se battre violemment pour que ça arrive. Et je trouve que c'est plutôt réussi, c'est présenté à un certain regard et je serais pas étonné que ça ait un prix. Insomnia. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier Pedro Almodovar. Bon, on retrouve son univers, ses couleurs, le côté baroque. Mais c'est un film plus crépusculaire, plus dur. C'est moins une comédie, c'est un drame. Et truc très nouveau, il me semble, chez Almodovar, c'est que c'est autofictionnel. Il y a des astuces de scénario à la Almodovar, des clins d'œil. On sent que l'humour n'est pas loin, mais la tonalité générale, elle est plus à la douleur qu'à la gloire. Mais par contre, c'est un vrai bon film sur la vieillesse et la nostalgie. Et pour finir, j'avais quand même une chose à dire. Gilles Jacob, on parle d'égalité homme-femme, tout ça. Compétition officielle, 3 femmes qui présentent des films sur 21. 4 femmes sur 1 sur 21. Est-ce que c'est ça l'égalité ? Je pense pas, Gilou. Pas très cool, Gilou. Merci. Ce cinéma indépendant, ce cinéma un petit peu parallèle, qui a en tout cas fait que le cinéma continue à vivre aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est réalisé de main de maître. Excellent. Je sais.